recevoir Madame Ayeva Broum, reine Adevi, chef de mission résidente de la BOA au Bénin, juste avant de recevoir le DG du groupe Fagas. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Madame Ayeva Broum, reine Adevi. Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Mesdames et Messieurs les participants, en vos rangs grades respectifs et tout protocole respecté, je voudrais, au nom du Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement, la BOAD, dire merci à Monsieur le Président de Bénin Investment Forum pour nous avoir associés à cette 5e édition. Mesdames et Messieurs les participants, je vais vous présenter en quelques minutes la BOAD et sa stratégie d'intervention. La BOAD, créée en 1973, a pour mission de promouvoir un développement équilibré des États membres et contribuer à l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Et à ce titre, nous pouvons dire que la BOAD aujourd'hui a pu financer au Bénin pour un montant de 900 milliards à peu près tous les projets de développement, ce qui représente environ 13% de ses concours globaux au sein de l'Union. Alors, je voulais préciser à cette étape que de ce montant, il y a seulement 7% dont le secteur privé a bénéficié. Je voulais dire, la Banque Ouest-Africaine de Développement ne finance pas que le secteur public, mais nous adressons également aussi le secteur privé. Et c'est ce qui a justifié l'atelier que nous avons tenu il y a 2 mois, ici même dans cette salle, en partenariat avec le Conseil national du patronat et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous avons ici même fait un atelier qui nous a permis de présenter au secteur privé la stratégie d'intervention de la BOAD. À travers son plan Joliba, son plan stratégique 2021-2025, la banque souhaite augmenter son impact dans ses interventions en termes de résultats et de développement. Pour cela, nous avons 5 secteurs prioritaires que je vais énumérer. Ce sont les infrastructures et l'économie numérique, l'énergie et les ressources naturelles, la santé, l'éducation et l'immobilier, surtout l'immobilier social, l'agriculture et l'agro-industrie, sans oublier les institutions financières et la participation. Ce sont les 5 secteurs prioritaires que la banque veut vraiment impacter à travers ses interventions, à travers 3 axes stratégiques que sont renforcer l'intégration régionale, créer de la valeur et des emplois productifs et enfin renforcer la résilience au changement climatique. Alors, la BOAD, pour ses interventions, a plusieurs formes. Elle intervient sous forme de prêts à long et moyen terme, par des prises de participation au capital d'entreprises ou d'institutions financières, par le financement d'opérations à court terme, par des lignes de refinancement aux banques locales pour soutenir les PME, par la garantie d'emprunt obligataire, par les arrangements de financement de projets et aussi par le conseil financier. Elle a un guichet qui permet de faire les prêts directs à long, moyen ou court terme. Donc, un guichet banque et puis un guichet de fonds de développement et de cohésion pour les prêts concessionnels. La BOAD souhaite aujourd'hui au Bénin augmenter ce taux qui est très infime, environ 7% pour le secteur privé. Elle souhaite vraiment augmenter son intervention au niveau du secteur privé et pour cela,
Je voulais simplement vous dire que la mission résidente de la BOAD au Bénin se tient à votre disposition pour vous accompagner depuis l'origination de vos projets jusqu'au financement, aussi bien par la BOAD ou par d'autres voies comme les banques locales auprès desquelles nous mettons des lignes de refinancement. N'hésitez vraiment pas à vous approcher de nous pour tous vos projets de développement. Nous restons à votre entière disposition. Je vais terminer mon propos en disant encore une fois merci au président du Bénin Investment Forum et souhaiter un plein succès à cette 5e édition. Je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Madame Ayeva Broum, reine Adébi.